Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Seul Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment retravailler cette veste, donc la faire un petit peu plus petite, plus fine, plus courte. Je vais vous montrer ce dont vous avez besoin pour réaliser ça, pour faire ces petites modifications. Donc, vous avez besoin de la veste que dont vous avez besoin de retravailler, un fil qui va avec, dans les mêmes tons, de quoi marquer sur votre tissu, un découpe-vite, et puis bien sûr, voilà, une paire de ciseaux, épingles, de quoi mesurer, voilà, tout ce qui va être nécessaire pour réaliser tout ça. Et ensuite, on va avoir besoin voilà, du haut, comme je vous l'ai dit, hein. Et puis vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, première étape. Voilà, on aimerait en dire où est-ce qu'on veut raccourcir ou rétrécir. Donc, moi, ce que je vais faire aussi, donc j'ai envie de raccourcir. Et voilà, pour la longueur des bras, ça va. Mais voilà, là au niveau des épaules, ça va. Mais là, ici, je vais. Voilà, enlever un peu de tissu parce que je veux quelque chose de plus resserré, de plus ajusté au niveau voilà, de la taille, etc. Donc, on va travailler ça. Une fois que vous savez, que vous avez réfléchi, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre veste? Eh bien, on va tester et on va faire ensuite les marquages nécessaires. Donc, au niveau de la longueur, ici, et au niveau de la largeur. Alors, moi ici, donc j'ai déjà marqué donc, au niveau de la longueur ce que je veux, là où je veux que ça tombe, que ça s'arrête. Et ensuite, je vais devoir faire la même chose au niveau de la largeur. Donc là, c'est deux boutons de longueur que j'ai fait. Et ensuite, bon, PG ici. Donc là, on s'arrête ici, exactement. Ben, en fait, c'est au niveau de la fente. Hein. Voilà, donc après, bon, ben, je marque. Et puis, étape suivante. Donc, on va faire la même chose au niveau du dos. Voilà, donc après. On y va, on fait nos coupes. Voilà, donc une fois que tout est prêt, ici, on peut déjà commencer à découdre. Là, j'ai déjà bien coupé aussi, hein, parce que sinon, si on doit travailler avec 10 cm de tissu, c'est un petit peu laborieux. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un roulé, donc je vais plier deux fois, voilà, pour avoir vraiment quelque chose de propre, de droit, et qui tienne bien en place. Donc pour moi, le tissu est plutôt épais, donc je peux juste le faire une fois. Après, on peut toujours hein, faire en sorte que ce soit... On peut rattraper le coup au niveau de la découpe. Hein. Ok.
Donc là, bon, j'ai bien fait en sorte que tout soit propre, que ma finition aussi soit bien. Ensuite, bon, j'ai plus qu'à travailler aussi ici. Donc là, j'ai déjà noté avec mes épingles là où j'ai envie de, enfin, ce que j'ai envie de raccourcir. Et donc là, j'ai les marquages de près. Et là, l'avantage, c'est que on a cette ligne qui va jusqu'au bras. Donc là, on peut déjà justement faire en sorte. Voilà. Par exemple, si vous voulez avoir la réduction sur tout le long, eh bien, vous pouvez le faire parce que vous n'avez plus qu'à suivre toute la couture en fait. Alors voilà, après, bon, ce qui est très important, hein, c'est de bien tout mesurer, comme je vous l'ai dit, que tout soit bien positionné pour les mesures, qu'il y ait la même distance entre le bord et chaque épingle. Voilà, c'est important pour pas avoir quelque chose qui ne soit plus droit en fait. Donc on suit bien ça. Donc là ici, donc j'ai 18 et à peu près voilà 2-3 cm de ligne, voilà, entre l'épingle et le bord. Donc c'est ça que je vais réduire et ça de chaque côté. Donc en tout, on va perdre 5 cm. Voilà, donc là aussi, j'ai commencé à travailler, ça allait jusqu'ici. Et donc là, à peu près 30 cm, il va falloir que je vais, que j'ouvre un petit peu. Et ensuite, on peut commencer à tout découdre, découper et ensuite recoudre avec un point zigzag. Ok, donc là, ben, je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne. Puis là, je passe aussi un coup de. On peut passer encore des coups de point zigzag. Tout est décousu, tout est à peu près. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a deux. Il y a plusieurs fois, donc plusieurs traits de couture. Hein. Donc on y va, il faut à un moment donné les deux coutures comme ceci pour bien se consolider. Voilà. Donc j'ai ma première couture et puis après donc j'ai fait en sorte d'avoir une deuxième aussi donc pour consolider, pour quelque chose pour rétrécir un petit peu encore, pour gagner encore un peu plus de. Pour ajuster un peu plus. Voilà. Et ensuite, ça c'est fait.
terminé. Donc on a cette orientation, donc cette couture. Et le but, c'est que ce soit pareil des deux côtés, bien sûr, ça c'est important. Quand ça c'est terminé, on peut travailler la fin ici, on a terminé. Voilà, donc vous pouvez voir maintenant la veste terminée. Donc vous avez passé, on a passé aussi, on a fait les deux traits ici, hein, de couture. Voilà, donc on a fait aussi quelque chose de plus fin également, de plus ajusté. Voilà. Et en plus, ensuite, on a ici donc la partie, donc la couture. Donc là voilà, et puis donc là on a fait, j'ai fait en sorte que ce soit pas trop épais, mais l'alternative c'est que vous puissiez aussi donc pardon, découdre et ouvrir un petit peu plus. Donc vraiment, voilà, plusieurs possibilités. Donc c'était comme ceci, et après ensuite on va donner quelque chose de beaucoup plus ajusté. Donc j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis on se dit à très vite, salut !